Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tenez les amis, aujourd'hui on va parler du bloc de vide les amis. Eh oui, j'ai passé une semaine pour trouver mon petit problème les amis. C'est vraiment hallucinant, j'ai fait un chantier, vous allez voir, c'est incroyable, j'ai tout démonté. Bon les amis, aujourd'hui, une petite vidéo très simple. Donc, si vos volets d'air ne fonctionnent pas, vous appuyez sur les boutons air vers le bas, air vers le haut, surtout, surtout, surtout les entrées d'air dans l'unité centrale. Hein, Et surtout si vous n'avez pas d'air qui sort d'ici. j'ai peut-être la solution pour vous. Donc, les amis, un programme. Donc, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est que ce bloc de vide. C'est une pièce très importante dans la W140. Un tuto pour le remplacer. Et voilà. Bon, allez, c'est reparti. Bon, les amis, on va commencer. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bloc de vide? Le bloc de vide de distribution, on appelle ça le bloc de vide de distribution. En fait, c'est un bloc qui gère beaucoup de choses. Et surtout, 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 c'est très important. Il gère les volets de la climatisation. Voilà. Tous les volets de la clim. Ils sont gérés par ce bloc de vide. En fait, je voulais pas faire cette vidéo, je l'ai fait à l'improviste parce qu'en fait, j'ai tellement passé de temps. Je me suis dit, bon, je vais partager cette vidéo parce que j'ai passé une semaine pour trouver le problème. C'est juste incroyable. Et encore une fois, grâce au forum américain, etc., j'ai pu trouver une piste, mais il n'y a personne qui a trouvé la bonne réponse. Alors, c'est très simple. Alors, dans la W140, on a deux types de blocs de vide. Vous avez un blanc et vous avez un noir. Moi, en fait, le problème, c'est que je cherchais le noir alors que j'avais le blanc qui était juste en face de moi, mais je cherchais le noir parce que tout le monde parlait du noir dans les forums, etc. Ils parlaient du noir, il faut trouver cette pièce, etc. Mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, en fait, j'ai tout démonté. j'ai démonté derrière le boîte à gants, etc. pour trouver. Et j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Je me suis dit, Younes, va faire un test. C'est ce que je vais vous montrer. Va faire un test. Ici, ça marche, en fait. Ben, sur les phases 1, il n'y a pas de bloc noir. Ben, j'ai fait un test et effectivement, il n'y a pas de bloc noir, il n'y a que le bloc blanc comme ça. Alors, c'est très simple. Ce système-là, en fait, il se fissure au niveau de la bille dans les deux types, dans le blanc et dans le noir. Au niveau de la bille, là, ben, il se fissure, je vais vous montrer. Donc, voilà, ici, donc là, on voit la pièce défectueuse, donc cassée à ce niveau-là, au niveau de la bille. Et là, on a une pièce en bon état, pas cassée, la bille intacte. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, les billes, c'est très important, il y en a partout. Donc, s'ils sont là, c'est qu'il y a un rôle. Donc, voilà. Et quand ça se fissure, bah, il y a une fuite d'air. Et une fuite d'air, bah, votre bloc ne fonctionne plus, vous n'avez plus d'air. Ils vont rester sur un... au niveau du pare-brise, parce que ça se met en défaut en cas de problème pour le dégivrage de la lunette du pare-brise par sécurité. Donc il reste vous aurez que de l'air vers le pare-brise, il n'y a rien qui va fonctionner ni vers le bas ni rien. Voilà, surtout les airs centraux, là, les airs dans l'unité centrale, les deux volets au centre, ils ne fonctionnent plus du tout. Alors, c'est très simple. Donc, l'air, il vient du moteur. Hein. Donc, il y a une aspiration. Et l'aspiration, elle tire dans l'autre unité que je vais vous montrer. Et c'est elle qui gère en matière électrique d'ouvrir les vannes droite, gauche, haut, bas, etc. Donc, s'il y a une fuite, il faut la changer. S'il y a une fuite, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, en fait, c'est très simple. Donc, j'ai tout cherché, j'ai trouvé que j'avais une fissure, je l'ai changé, donc je vais vous montrer. Et puis, donc le vide vient du moteur, ça aspire. Ça vient aussi de... Donc quand le moteur est coupé, il y a un réservoir d'air qui prend un peu le relais. Alors le réservoir, il y a un grand réservoir noir juste derrière l'aile avant droite. Il y a aussi la pompe qui prend un peu le relais, mais... Voilà, tout est géré par ce système-là. De toute façon, je vais vous montrer à quoi servent toutes les durites comme ça. Donc, pour résumer un peu le fonctionnement. Donc ici, on a le schéma global de fonctionnement. Donc ici,
Donc la pièce que j'ai dans ma main, donc c'est le bloc de vide. Donc soit vous avez le bloc de vide qui est blanc, soit le noir. D'accord? Vous ne pouvez pas voir les deux. Faites pas l'erreur que j'ai fait et qu'ont fait beaucoup de personnes à chercher les deux en même temps. Donc soit vous avez le bloc noir, soit vous avez le bloc que j'ai dans ma main, donc le bloc de vide blanc. Retenez bien surtout deux chiffres. Le chiffre numéro 7, donc c'est la durite qui vient du moteur, donc l'aspiration, donc le vide qui vient du moteur, il se branche sur le numéro 7. Et le numéro 5, ce que j'ai dit, donc là, il renvoie à l'unité de vanne d'inversion que je vais vous montrer tout à l'heure. Hein, donc, ne vous inquiétez pas, vous allez voir tout à l'heure. Et là, vous avez le réservoir. Mais très important, ce que vous retenez pour le test qu'on va faire, c'est le numéro 7, donc l'arrivée du moteur du vide, l'aspiration, et le numéro 5, donc lui qui est branché avec donc l'unité de vanne d'inversion ou de commutation, on peut l'appeler comme on veut. Voilà. De toute façon, ici, ça change à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je veux que vous restez que sur les deux chiffres, parce que ça change à chaque fois, il y a des versions, etc. Retenez juste. Pour cette vidéo, si vous avez le problème de la ventilation. Donc le 5 et le 7. 5 départ vers l'unité. Donc elle gère tous les mécanismes d'ouverture des flaps, air vers le bas, air vers le haut, etc. Donc c'est elle qui gère tout. De toute façon, il y a une chose qu'il faut savoir, ne vous inquiétez pas, hein, vous n'allez jamais vous tromper sur les durites, parce que Mercedes a mis une étiquette que je vais vous montrer tout à l'heure. On a les couleurs et les numéros, donc il n'y a pas d'inquiétude. Ça, c'est le réservoir, mais ça c'est à part. Donc le plus important, c'est que si ça marche pas, il n'y a plus rien qui marche. Donc même si vous avez le réservoir, etc., il n'y a plus rien qui marche. Donc voilà un peu le schéma de fonctionnement. Ce que on va faire, c'est que je vais vous montrer comment tester s'il y a vraiment un problème. Allez, c'est reparti! Alors. Voilà mon carnage. Ici, j'ai fait un carnage pour essayer de trouver le problème. Maintenant, moi, je vais vous dire l'astuce pour savoir si c'est votre bloc de vide qui HS ou si c'est notre fameuse unité de vanne d'inversion. Voilà. Alors, on va commencer ici. Donc là, c'est électrique. À l'intérieur d'ici, vous avez des relais. Donc j'ai même tout démonté à l'intérieur. Et pour savoir vraiment si ça fonctionne, lorsque vous actionnez les boutons, vous allez toucher ici, vous allez entendre des clic-clacs ici, là. Ça va claquer. On va faire le test. Donc là, écoutez bien. Vous avez entendu? Ça clacote. Donc là, quand on l'ouvre, voilà, ça se présente comme ça. Donc il y a pas mal de relais, un relais par vanne. Ici, le vanne, c'est comme ça. Et ce qui peut se passer sur cette pièce, c'est que ces points de soudure peuvent se barrer. Donc vérifiez bien qu'ils sont en bon état. Donc là, ici, c'est intact. De toute façon, moi, quand je clique sur le bouton, j'ai toujours un petit clic-clic. Donc pour moi, cette pièce est bonne. Maintenant qu'on a fait ça, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui arrive ici. Donc là, c'est très important ce qui arrive là. Parce que c'est là où il y aura l'aspiration du bloc de vide, celui-là, qui arrive ici. Tout ça, c'est les volets. Volet là, là, là. C'est les différents volets. Ici, c'est le bloc de vide. Alors, le bloc de vide, c'est celui-là. Toujours le gris, ici. De toute façon, quand je vais vous montrer le test, vous allez voir que je l'ai branché sur le gris. Voilà. Donc, ça, c'est la partie électrique. Donc, si vous avez de l'air, pour résumer, si vous avez de l'air qui arrive ici, regarde. Donc là, tu vois, il y a de l'air qui arrive là. Ça aspire. Si ça aspire bien, voilà, ça aspire bien comme ça, là.
Voilà, ça se tire très bien et tout. C'est que c'est vraiment votre bloc, votre unité de vanne d'inversion qui est morte, c'est-à-dire une partie électrique est morte. Mais si vous n'avez pas d'air, ça aspire rien du tout. Voilà. Dans ce cas-là, c'est notre fameux bloc de vide. Là, vous l'entendez bien. Hein, ça aspire. Donc en fait, pour le détacher, il faut juste déclipser ça. Hein. Vous voyez, c'est comme un... Ça se déclipse, hop. Et vous le remettez. Alors lui, pour l'enlever, c'est simple. Hein. Hop. Et il sort. Voilà. Vous le remettre, pareil. Hop. Hop là. Donc maintenant, pour faire le test vraiment, pour voir si il y a une fuite au niveau du bloc de vide, c'est très simple. Vous avez ici le gris là. Ça, c'est le gris qui vient du vide du moteur. Voilà. Et là, vous avez celui que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un gris vert. Hein. Un gris vert qui va vers le bloc là que je vous ai montré. Là-bas. Donc c'est très simple. Vous branchez en direct. Voilà. Et si vous retrouvez donc de l'air qui sort là et vos volets qui fonctionnent, ça veut dire que vous avez un problème ici. Voilà. Et moi, là, le souci, c'était que je vous ai montré, c'était une fissure à ce niveau-là. Donc voilà, le test que j'ai fait moi, particulièrement. Donc j'ai branché direct le vide du moteur à l'unité d'inversion. Et j'ai retrouvé tous mes volets parfaitement en marche. Et quand j'ai cherché, eh ben, j'ai trouvé la petite fissure qui était là. Voilà. Maintenant, si vous avez branché ici et si vous retrouvez que le gris là, ben, il n'aspire pas, par exemple ici. Ici, il aspire très bien, vous l'entendez bien. Hein. S'il n'y a pas d'air ici qui vient du moteur, ça veut dire que votre problème est vraiment en amont. Ça veut dire que vous avez une fuite quelque part. Il faut la trouver. Donc c'est une autre histoire, une autre vidéo peut-être un jour. Mais voilà. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ce bloc de vide, vous avez plusieurs. Vous avez deux types. Vous avez celui-là, le blanc, qui pour moi sur les phases 1. Et vous avez le noir qui se trouve ici. Vous le trouverez toujours là, à droite, dans ce coin-là. Sinon, pour le SL R129, j'ai vu que il y en a pas mal qui se trouvent ici, à ce niveau-là. Vous enlevez là, vous le trouvez ici. Donc voilà, cette pièce est vraiment importante. Bon, donc j'ai passé quelques jours quand même pour trouver le problème. Et quand j'ai branché directement le vide avec l'unité d'inversion, j'ai retrouvé mes volets d'air. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, je l'ai vraiment fait cette vidéo à l'improviste. Hein. Mais en tout cas, la première chose que vous devriez tester, c'est vraiment celui-là. Vraiment, regardez directement ça. Et ça va vous donner... Et sûr et certain, parce que ça, j'ai vu beaucoup que... Surtout le bloc noir, là, il se fissure aussi, pareil. Donc, alors, pour savoir, c'est très simple. Hein. Vous avez une plaque derrière. Il y a deux écrous ici, un là, vous l'enlevez et vous avez l'accès. Voilà. Ne partez pas comme moi à chercher, à tout démonter ici pour voir, etc. Voilà. La première chose... Moi, pourquoi j'ai tout démonté? Parce qu'en fait, je trouvais pas le petit bloc noir, comme je l'ai dit. Et du coup, bah, je cherchais, j'ai tout démonté pour voir, pour enlever toute suspicion. Mais quand j'ai découvert que c'était en fait celui-là, bah, voilà. Si j'avais su, j'aurais ouvert directement la plaque et je l'aurais trouvé, j'aurais changé et puis au revoir, messieurs, dames. Donc voilà, l'astuce que je voulais partager avec vous. Voilà.
Pour sortir la boîte à gants, c'est très simple. Vous avez des clips comme ça, un ici, un là, et vous enlevez donc la lampe et puis voilà. Hein. C'est très simple. Hop. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, il y a juste à mettre la petite étiquette avec les codes couleurs et c'est fini. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut! Salut LV12!